Yo les gens, Soura, j'espère que vous allez bien, vous pouvez passer super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On est sur Far Cry 4 et je viens de lancer mon jeu. Et je viens de me rappeler qu'on est arrivé dans le nord et qu'on pouvait explorer le nord, il était temps. Alors, j'aimerais bien prendre la forteresse, mais la première chose que j'aimerais bien faire c'est prendre la tour, le clocher là. Il y avait ici, on va le prendre. On va prendre la tour radio. Ça peut être vraiment très très utile ce truc, parce que ben, si on a la tour radio, on peut directement avoir une vision totale d'une zone. Et ça me permettrait de savoir les routes pour accéder aux différents avant-postes, etc. Donc en fait, les prochains épisodes là seront uniquement de la capture d'avant-postes et de tour radio. Enfin, je préfère avoir une place nette pour pouvoir faire mes quêtes tranquillement, comme j'ai fait dans le sud quoi. Alors... le nord a totalement une autre sale, gueule, bah une autre gueule que le sud. Je crois pas mes mots. Franchement ouais. C'est plus montagneux je trouve. Hein. Je trouve que c'est beaucoup plus montagneux. Alors ce qui vient maintenant c'est qu'en fait maintenant le sentier d'or a une présence au nord plutôt. Donc là on peut directement rejoindre des points, etc. Et on peut directement se faire aider au cas où. Bref, vous avez compris. Bon, par contre la propagande j'avais oublié. Des cochons. Par contre là. Hop, on va ressortir le sniper. Ah oh, ouais c'est vrai j'ai plus de mine. Poser un marqueur. Oh, on peut appeler des mercenaires. Des roulades comme ça toi. Ah oui. Non d'accord, bon c'est la première mort dans le nord parce que j'avais oublié que j'avais plus de munitions. C'est trop bien. Oula, j'ai un problème là dans... J'ai un problème. Très sincèrement. Faut que je me concentre dans le jeu parce que c'est longtemps que j'ai pas pris de tour radio. Enfin, j'appelle tour radio parce que dans le 3 c'est tour radio, c'est pas des clochers, bon vous m'avez compris, hein, ça a même une utilité. Ah, j'ai enfin des munitions. J'ai des munitions, c'est trop bien. Allez, on doit refaire tout le chemin. On reprend un véhicule et puis on reroule. Allez, trop bien. Ça le plus chiant en ce jeu, c'est que quand on n'a pas encore d'avant-poste dans une certaine zone, bah en fait on revient tout le temps au point de départ. Et donc bah, pour refaire toute la route, bah, c'est bien. Bon, dans cet épisode-là, on ira prendre la tour radio et un avant-poste. Et puis dans le prochain épisode, on ira prendre une forteresse, la forteresse de Yuma. Et puis bah, voilà quoi. Et là, j'apprendrai tout seul. Alors que je reprenne des munitions, etc. Pour l'avant-poste déjà, et puis après pour la forteresse. Et ça pourrait être vraiment très utile d'avoir une forteresse. Aïe. Ah c'est vrai, j'ai 5 barres de vie maintenant. Sa quête vengeance je crois pour ouais vengeance pour avoir la 6ème barre, ce qui pourrait être bien efficace hein, sincèrement parce que par contre j'ai pas des compétences pour avoir des comment s'appelle des ah. Je trouve plus mes mots, gilet pare-balles Regardez ça c'est magnifique. Voilà. Voilà. Ce que je cherche à faire depuis je sais pas combien d'épisodes. C'est juste ça. Bon d'un coup le FOV il s'est augmenté pour pendant l'action, c'était stylé. Alors la tour radio elle est ici. Par contre vous voyez que le karma augmente vraiment très très rapidement avec le. Par contre on a beaucoup plus de missions de sniper là. Oh je suis refait. Et de 1. Et de 2. Y'a pas de troisième. Bon bah y'a pas de troisième. Alors.
C'est la troisième et la femme allait lutter. Hop. Voilà. Je me suis concentré pour le mettre bien la balle parce que j'ai pas mal de. J'ai plus beaucoup de munitions. Vous voyez. Oh coco. Ouais. Ça que j'aime pas, c'est pourquoi la dictature. Ça ne sert absolument à rien la dictature. Non, c'était pas ça que je voulais faire. Oh putain, j'ai perdu 3 barres de vie d'un coup. Chaud. Bon, pour les régènes ça va vite. Hein. Comme on régène 2 barres. Voilà. Alors par contre, je crois que la dernière quête de Urk. La quête de Urk qu'on a là, ça me permettrait d'avoir le fusil harpon les gens. Et le fusil harpon, c'est une arme qui fait énormément de dégâts. Ouais, de dégâts. Et alors si on les fouille, on les fouille. C'est pas ça que je voulais faire. Voilà. C'est quoi qui m'attaque? Des abeilles, je crois. Et ensuite, voilà. Le premier clocher du nord. Il est là. Le 11e clocher. Le 11e clocher de ce jeu. Checkpoint de Gênes Sud. Ouais, ça on l'a déjà vu. Temps de crawling Siada. Saïda, putain. Il y a pas mal d'endroits comme ça. Où il y a des affiches de propagande qu'il faut enlever. Hop là. Alors donc. Alors c'est un pont qui est gratuit au comptoir. Nouvelle activité. Escratamé. Et là les gens, je propose qu'on soit boldy et qu'on aille faire ça. Les munitions, on en a partout. À peu près partout. Ouais. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller. Allez, on est boldy. On est joueur. Allons faire ça. Allons-y, que l'épisode dure une demi-heure, trois quarts d'heure, je m'en fous, je ferai deux parties au pire. Mais on prend la forteresse dans cet épisode. On essaie de prendre de la hauteur. Pour pouvoir se mettre sur un poste. Et puis pour pouvoir tous les buter et capturer la forteresse. Quoi. C'est vraiment un truc. Oui, le cocktail. Ça va aller. Il n'y a pas la pression de l'air. Alors, voilà la forteresse. Mes guetteurs sont vus près de la forteresse de Yuma. Tant qu'elle sera en vie, ses défenses repousseront n'importe quelle attaque. Et demain. Avec les bonnes compétences, on peut la faire facilement la forteresse. Alors, il y a un pylône d'alarme ici. Alors, je doute que je l'aurai. Encore moins avec cette hauteur là. Alors il faut abattre les snipers. C'est pas un sniper mais il faut l'abattre quand même. Le pylône radio. C'est le plus pas le pylône radio mais le pylône d'alarme. C'est un truc le plus important à avoir. Voilà. Je suis repéré. Ça y est, je suis repéré.
Alors là par contre c'est le plus chiant dans les... dans la forteresse, c'est que ça arrive par les hélicoptères. Et par contre les hélicoptères, les gens... Ah, ça pétait dans les airs. Alors... C'est par où qu'on monte, je ne sais pas. Alors, je doute que ça vienne par les airs parce que il y a beaucoup d'arbres. J'aurais pu le buter lui. Je ne sais vraiment pas par où rentrer. Voilà, les forteresses c'est dur à prendre. Non, c'est pas vraiment dur à prendre, c'est plus dur à réfléchir comment entrer et les buter. Les ennemis sont pas très compliqués à buter. C'est des ennemis normaux, mais c'est assez dur à voir l'endroit par lequel aller. Par contre, je suis étonné, c'est que les renforts ne sont pas arrivés. Aïe, ok, je suis mort. J'avais 5 barres de vie, hein, les gens. J'avais 5 barres de vie et je suis tombé de 3 mètres. C'est quand même bizarre, hein, le jeu. Ubisoft, les messieurs d'Ubisoft, si vous avez si vous voyez cette vidéo. L'attaquer alors qu'elle est toujours au pouvoir serait une mauvaise idée. Ensuite, un autre ennemi. Il n'est pas là-bas. Si, justement. Le sniper, c'est une très bonne arme pour prendre les avant-postes. Alors, il faut savoir s'en servir. Et là, c'est le plus compliqué. J'ai... Alors, il y a une alarme ici. Une alarme ici qui est avec deux alarmes. Oh là, je suis bolzier, les gens. Non, les gens. C'est abusé, ça. Please. Ah, c'est abusé, ça, par contre. J'ai récupéré 5 barres. Par contre ça c'est vraiment abusé hein, ce qui se passe. Putain non mais... Non please. Ce jeu... L'histoire est bien. Mais please les hitbox ou bien les dégâts de chute. C'est tellement mal géré. Merde, loupé la première balle. C'est bon, j'ai pas loupé celle-là. Une mais pas deux. Je suis pas un jambon. Faut que je fasse gaffe de pas tomber. Alors où est-ce qu'il y a notre ennemi? Ici on a... Ok. Oh putain. Il est beau le ce gars. Oh c'est calme. J'arriverai jamais à rentrer dedans. C'est fou. C'est vraiment fou. Les deux autres, j'arrivais bien parce que les montagnes étaient comme ça, mais on pouvait largement monter. Mais là, aller rentrer... Ah, peut-être par là. Non, impossible.
Pas moyen de monter ici. Ah bah non, c'est des rochers qui glissent. Je suis sûr qu'il y a moyen d'en monter par là. Non, il n'y a pas moyen. Bon, bah on va se laisser là. Au prochain épisode, on la prend cette forteresse parce que ça peut donner un impact dans le jeu. Enfin, pas un impact, mais... Ah, ah. Ouais, c'est bon, j'ai trouvé, c'est bon. Merde, j'ai loupé la balle. Si on bute le gros ici... Bon, ça va me tomber dessus. Ils sont obligés d'utiliser des mortiers pour me buter. Oh putain les dégâts. Encore deux alarmes. Alors le faire sans... comment dire... sans truc de soin... c'est vraiment merdique. Bon je suis mort. Oh. On va le faire avec des trucs de soins parce que sinon c'est la mort. Oh putain. Puis je vous pète presque toutes mes balles quoi. Oh je l'ai eu. Ok, j'ai pas pu viser. Ça me tombait dessus. Tu vas arrêter de me tirer dessus. Plus de vie. Bon, bah voilà, on va cesser là parce que c'est vraiment n'importe quoi. J'espère que ça vous a plu, si c'est le cas, likez, partagez, abonnez-vous. Et puis voilà, allez, à plus au monde.